Bonjour à tous, je m'appelle Océane Muller, j'ai 19 ans et je viens de Strasbourg. Je suis née à Schittigheim mais j'habite près de Strasbourg et j'ai grandi ici depuis petite. Alors ici on se trouve dans mon deuxième club, donc à Arthus Haguenau, où je suis licenciée depuis au moins déjà 7 ans, 7 ou 8 ans. Avant j'étais dans un club de tir Ingviller, Saint-Hubert-Ingviller, où j'ai été licenciée pendant 3 ans et ensuite j'ai changé de club, donc ici à Arthus Haguenau. Et depuis je n'ai pas changé parce que ça me plaît beaucoup. Le club est très fier de moi, le président du club, vice-président, un peu tout le monde. J'ai eu beaucoup de médailles depuis pas mal de temps, enfin très récemment, c'est venu très vite. Ma passion du tir, elle est venue grâce au papa, où à l'âge de 7 ans, j'ai été curieuse parce que mon papa il fait aussi du tir en loisir à longue distance, aux 200 mètres, 600 mètres, etc. avec des amis. Et par curiosité, j'ai demandé à mon papa pourquoi il partait souvent le week-end. Et il m'a proposé de venir avec lui pour découvrir justement ce qu'il fait. Et j'ai vu qu'il pratiquait le tir à longue distance. Et juste d'entendre juste le son du coup de la carabine lorsqu'il tirait le coup, ça, les yeux ils ont brillé. Et avec même mon petit casque, le gros casque sur la tête quand je suis petite, j'ai demandé à essayer. Donc j'ai essayé, ma première fois où j'ai tiré, c'était avec justement à distance 200 mètres, avec un gros fusil. C'était un M16, mais pas, je ne connais plus la marque. Et j'ai essayé, j'ai demandé à recommencer. C'est là qu'on m'a interrompu et qu'on m'a expliqué justement qu'il existait du 10 mètres pour les écoles de tir à ce moment-là, dont ma spécialité, le 10 mètres à air comprimé. Je continue le tir à longue distance avec mon papa en loisir quand j'ai du temps, par exemple les vacances ou les week-ends quand il est disponible, quand je suis disponible. On continue pour garder le plaisir père-fille dans le tir. Il est fier de toi, je pense. Mon papa, il est très fier de moi et ma maman aussi, mes petites sœurs, parce que j'ai 3 petites sœurs et ils sont tous très fiers de moi. Ils peuvent pas me suivre sur les compétitions parce que c'est en équipe de France. Et en équipe de France, on reste en tant que tireur et entraîneur avec les encadrants, etc. Donc là, la famille ne peut pas venir sur place selon les disponibilités aussi. Et ils sont peut-être venus une fois dans une compétition, mais c'est pas plus. Par contre, oui, quand c'est retransmis sur Internet, à la télé ou sur les sites, ils suivent. Mon métier plus tard, c'est d'être entraîneur de tir dans ma spécialité, donc la carabine. Et pour ça, je fais des études à l'Université de Strasbourg en STAPS. Je suis en première année. Et justement, je fais les études qu'il faut pour justement devenir entraîneur. Ok, génial. Tu arrives à lier à la fois les études et à la fois l'entraînement quand même de haut niveau pour être en équipe de France ? Je suis en équipe de France depuis 4 ans et ça me permet d'avoir un aménagement entre les études et les entraînements. Donc par exemple, ma semaine se déroule le matin, je suis en études, donc à l'université où j'étudie tout ce qui est le physique, le sport, les entraînements, etc. Et l'après-midi jusqu'à tard le soir, je m'entraîne dans ma spécialité. Le tir à carabine, j'ai grandi avec ça depuis l'âge de 7 ans, donc ça fait 11 ans que j'en fais. Et ça m'a beaucoup mûri. Bon après, je pars en compétition internationale, ça m'a aussi aidé. Ça m'a beaucoup mûri, ça m'a permis aussi, ça aide beaucoup aussi au niveau des études de gérer le stress. Si par exemple on a des examens, on peut gérer le stress grâce au tir justement, d'être calme, sereine. Et que pour eux, tout se passe bien. Alors, ma carabine 10 mètres, c'est mon bébé, on va dire. C'est mon jouet que j'ai depuis maintenant 5 ans. Je ne m'en suis pas séparée, si on peut dire ça. Donc c'est une carabine d'une marque Fenwerkbow. Et la marque exacte, c'est une Fenwerkbow 800W. Donc la crosse est faite en bois. Tout est fait à l'usine et on peut la customiser, donc changer la couleur, choisir la couleur qu'on veut, que ce soit pour la cartouche d'air, la crosse ou les organes de visée. Et
Ça va, le poids il varie selon les tireurs, donc ça peut aller de 4,2 kg jusqu'à 5,5 kg au 10 mètres. On fait beaucoup de préparation physique, une à deux fois par semaine. Bon, moi en ce moment j'en fais deux ou trois fois par semaine parce que j'en ai plus besoin. Donc on fait tout ce qui est musculation, proprioception, renforcement musculaire, donc tout ce qui est abdos, gainage, squat, etc. Cardio aussi. Mon meilleur souvenir, la compétition qui m'a le plus marqué, c'est ma première Coupe du Monde en tant que junior. C'était en 2019, en juillet, ça se passait à Zoul. C'est historique avec la famille surtout, parce qu'à ce moment-là, lors de cette Coupe du Monde, j'ai une de mes petites sœurs qui était à l'hôpital, dans le coma, si on peut dire ça, parce qu'elle était en phase terminale rénale. Donc on va dire que j'étais pas très souriante à ce jour-là. Et la veille de partir en compétition, je suis allée la voir à l'hôpital. Je lui ai fait la promesse de venir avec une médaille si elle reste forte. Et quand j'ai reçu ma médaille, j'ai pleuré pour elle. Et pas bon pour moi aussi, mais pour elle surtout. Et depuis, tout se passe très bien et je continue comme ça. Donc pour moi, oui, c'est une des compétitions les plus marquées pour moi, même si j'ai fait mes Jeux Olympiques à Tokyo 2020. Ça m'a beaucoup marqué aussi avec le fait de voir des idoles, des grands sportifs dans d'autres sports. Ça m'a beaucoup plu, bon, avec du stress, un peu comme partout. Mais c'était beaucoup cette compétition, la première Coupe du Monde. Oui. Pour un sportif, pendant les Jeux Olympiques à Tokyo, là où j'ai participé, d'avoir beaucoup de monde autour, que ce soit des tireurs, mais le fait d'avoir d'autres sportifs hors dehors du tir, je peux pas l'expliquer. Pour quelqu'un qui en rêve depuis petite, c'est waouh, c'est extraordinaire. On a les yeux qui sont grands, on a envie de voir partout, etc. On fait des rencontres, on s'imaginait même pas, on fait waouh. Par exemple, moi j'ai rencontré Teddy Riner. Quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé pour juste demander une photo. Je pouvais plus dormir après, j'étais trop contente. Mais oui, c'est quelque chose à vivre. Alors, je viens de revenir d'une Coupe du Monde qui s'est déroulée au Caire, en Égypte, où je décroche la médaille d'or malgré le stress qu'il y a eu. Je me suis beaucoup battue jusqu'au bout et ça m'a permis de décrocher la médaille d'or. Ça s'est très bien passé, on a pu visiter les pyramides, c'était génial. Donc ça s'est très bien passé. Je suis revenue à la maison, quelques jours de repos. Mais ça n'empêche pas de continuer à s'entraîner parce que le 20 mars, précisément le 22 mars, je pars en Norvège pour un championnat d'Europe en tant que senior dame, en tant que surclassé. Et on enchaîne direct avec une Coupe du Monde qui va se dérouler à Rio fin avril.